129 ans. Et oui, vous entendez bien, c'était au 19e siècle. Ce matin, rendez-vous du côté de la place Saint-Lambert, suffisamment bien remis de sa chute. Il a déjà remporté nous dit-on de la Flèche Wallonne, mais avec Carapace, Kwiatkowski, Adam Yates, Philippe Gilbert, bien sûr. C'est Philippe Gilbert qui disputera Philippe aujourd'hui Gilbert. Le au Palais des Princes-Évêques avec l'équipe Ineos. Orpheline cherche de Pidcock, passe le 59e monument de sa carrière, c'est-à-dire 9 de plus que les. Et dans une belle harmonie. Joyeux anniversaire pour Valverde qui a tête homme le champion olympique grec Van Avermaet. Quinten Hermann, à l'époque, il n'était pas encore dans la même équipe avec Formolo, Rui Costa et du doublé rêve de remporter Liège-Bastogne-Liège. Et Roglic ambitionne le double. McNulty a une forte équipe Emirates. Fulsang est un ancien vainqueur de l'épreuve. Alaphilippe rêve. Hans était le seul belge dans le top 20, 14e mercredi à la Flèche. Hirschi et Pogacar, ça nous fait là le deuxième et le troisième de l'année dernière. Donc 41 ans aujourd'hui, le doyen de tous les vainqueurs de la doyenne. Les coureurs se sont donc élancés. Départ fictif donné à 10h10 au Palais des Princes-Évêques. La Liège-Bastogne-Liège. Nous avons 259 km au programme à parcourir pour 174 coureurs précisément qui ont pris le départ des parties qui donnaient depuis la place par réel un petit peu plus loin à la sortie de la ville. Christian Prudhomme baisse le drapeau. Hier is een hele groep. Het is in ieder geval Hasprong. Nog niet vliegen was erbij. Verder maar van jou. Soms in de doel van stad en als per ook. Hier is hem zelf ter weg. Zijn binnenhaal en ik plezier van de rest. Dat ik wel zijn er wist dat er onder de loonje. Ja. Dat was een goede jaar. Dat jaar is nogal toppig. Ja. Je ziet er Tandem, hein. Deux tandems. Même si ouais. Chacun est sur son vélo. Oui, tout à fait. Deux tandems. Pour l'équipe Bingo
Powels, Wallonie-Bruxelles. On a le plus grand des deux, c'est Paskens en avant-dernière position. Et dans sa roue, c'est Heuss. Puis on a juste devant les deux coureurs de Intermarché. Dat zag er heel breed uit. Oh, je ziet het wel, hoor. Ja. Pour l'équipe Gazprom, j'allais dire forcément, non pas forcément, il n'y a pas que des Russes chez Gazprom, c'est Tchernetsky, et cet homme pour l'équipe Sport Vlaanderen n'est autre que Aaron Van Poek, un brugeois de 23 ans, 10e jour de course, et qui vient de disputer et d'enchaîner quand même Flèche Brabanson, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et maintenant Liège-Bastogne-Liège. Sur les 9 jours de course précédents, il a quand même abandonné 5 fois, mais il est encore jeune. Et on l'avait vu notamment attaquer à Nokere. Joli coup donc des deux équipes wallonnes. Thank you.
Ja, ja. Dat is in het kopuitwerk. Doe niet, Sarah. Ja, goed. Graag, Mat. Vraiment pas traîné, puisque après 6 km à peine, 4 coureurs se sont dégagés. Loïc Vliegen, un des régionaux de l'épreuve, en compagnie de Lorenz Heuss, de Aaron Van Poek et de Thomas Marcinski, bientôt rejoint par le trio Matthijs Paaskens, Lorenzo Rota et Sergei Ch- On s'est habitué à cette manière de fonctionner, et parfois avec succès, comme l'a montré Robert, notamment à Nokere de l'équipe de Christophe Brandt. On a l'impression que après des courses pavées.
Czarnecki. Au moment où nous vous parlons, et vous connaissez un peu le principe de cette épreuve, hein. Là, c'est immuable. On file vers Liège où on fait demi-tour pour revenir. Et voilà les premiers qui passent au sommet de la côte de Saint-Roch. La deuxième difficulté. On a eu depuis le début de cette épreuve des équipiers d'Alaphilippe, ici notamment en série, des équipiers de Roglic, des équipiers de Valverde, et maintenant c'est l'équipe Israël Startup Nation qui est en train de rouler pour Michael Woods, le Canadien, une équipe dont le grand patron Sylvain Adams a débarqué sur l'épreuve. Il n'arrive pas souvent d'arriver en Belgique et il est bien là pour soutenir les siens. La côte de Saint-Roch, donc, avec un retard de 7 minutes 22 pour le peloton, emmené, dira-t-on, par tous les équipiers des favoris, parce que vous ne le voyez pas, il est un peu caché par un Movistar, mais il est évident que Pogacar a lui aussi délégué du monde devant. Donc, Roglic, Pogacar, Alaphilippe, Valverde, Woods, on vient de citer les noms des équipes, des équipiers de ces leaders. Est-ce qu'on vient de citer, Cyril, le futur vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en citant Roglic, Pogacar, Alaphilippe, Valverde et Woods? Ah, il est dont clair les équipes que... sont là devant. Il est clair qu'en citant ces noms-là, on a marqué le coup et on a certainement cité le vainqueur de cette édition. Et c'est vrai que ce sont les hommes qui seront, à mon avis, les protagonistes du final de ce Liège-Bastogne-Liège. En n'oubliant pas quand même qu'il y a des outsiders qui se disent pourquoi pas. Et on pense à l'équipe Bora, emmenée par Charman, à l'équipe Ineos, on l'a dit, orpheline de Pidcock, mais avec quand même Kwiatkowski, Yates, Gugelhart et également Carapaz. Une belle équipe Bahreïn qui n'a pas encore gagné grand-chose dans les classiques, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Maury.
Mais s'il y avait ce petit vent, on pourrait presque dire frais, conditions. Hein. Oui, mais ce qui est peut-être mieux qu'une trop forte chaleur aussi. Ah, c'est clair, pour les coureurs, c'est conditions bonne température. Hein. Ouais, oui. Pour les coureurs, c'est bonne température. Nous, quand on mêle un peu le nez dehors, on a besoin de se couvrir ou autre. Mais allez, une fois qu'on aura fait, une fois que les coureurs ont eu fait les... Lorenz Heuss, que vous voyez là, un coureur originaire de Landerzeel. Landerzeel. Oui, en football, c'était toujours le Delta et le SK Landerzeel qui se disputaient la victoire. Localité célèbre pour une discothèque, lieu de référence, disent-ils. Oui, preuve en est, les coureurs de l'échappée, je ne vais pas dire qu'ils sont en petite tenue, mais on va pouvoir finir la journée en maillot et se dévêtir progressivement, puisqu'une fois que l'organisme va être bien chaud, la température sera idéale. Il fait certes un... Tels qu'ils ne le sont pas. C'est clair que les équipes World Tour ont pu aller sur davantage d'épreuves. Christophe Brad le disait, ben oui, nous par exemple on n'a pas pu aller là sur le Tour du Pays Basque par exemple, et sur des courses aussi longues Dans le jeudi je fais, j'ai eu la chance d'échanger avec Loïc il y a quelques jours, et pour lui on a échangé le lendemain de la flèche où la journée avait été difficile, abandon, pas bien, accompagné de Pierre-Yves. C'est quand même un endroit qui est magnifique pour faire du vélo. Alors bien évidemment, quand il fait ce temps-là, allez, je dirais on rajoute une petite dizaine de degrés et c'est le paradis. Et oui. Donc voilà, il faut tempérer un petit peu tout ça. On doit être bien évidemment mesuré. D'ailleurs, c'est encore avec Loïc Vlighem que j'expliquais l'autre jour. Je lui dis, bah ouais, mais... C'est vrai que nous, des fois, dans notre canapé, on dit bah, il faut faire ça. Oui, dans le canapé, c'est tellement facile de faire ça qu'une fois qu'on est sur le vélo, on dit ouais, il faut. 37 ans, Cracovie. C'était un des premiers lâchés dans la Flèche Brabançonne, si vous vous souvenez. On a suffisamment évoqué la petite pause de Grignard à l'attaque à l'Amstel Gold Race, Moniquet à l'attaque mercredi à la Flèche Wallonne, et aujourd'hui Marcinski. Et ça n'est pas neuf. Dans les courses précédentes, on a vu des Van Moor, des Gossens, des Vermeersch, De Beust, Thijs. On peut en citer quelques-uns. Et cette attitude, elle est plutôt très très bonne. Et c'est ce que vous avez nommé là, les deux équipes qui sont le plus staffées. Peut-être que la présence de Mauri Van Sevenant est sur demande de Julien Alaphilippe, je ne sais pas. Mais quand on a un coureur comme Mauri, les équipes se désintéressent. Je suis désolé, il y a des équipes. Et je prends un exemple d'une équipe française, Arkea, peut-être pas simple d'être devant, ou Total Direct Energy, on aurait dû avoir un coureur devant. Parce qu'on a certes un Barguil qui peut faire quelque chose, mais Barguil, il va faire quelque chose en ayant quoi? Avec un coureur autour d'eux. Très bien dire, on sacrifie de deux coureurs et vous devez aller dans cette échappée de départ. On doit être présent dans cette échappée. Et ça rend la course beaucoup plus difficile pour les quatre équipiers des gros leaders, parce que du coup, si on doit contrôler 12-13 coureurs, c'est pas la même chose que de contrôler 7-8 coureurs. Devrais-je dire, depuis bien bien longtemps. Julien Alaphilippe, lui, il est encadré mieux que prévu. Puisqu'à la sortie de la Flèche Wallonne, on nous annonçait que Van Sevenant céderait sa place. Les gars qui ont été formés chez eux, Tom Steels, Mario Hartz, Jelle Van Endert, Thomas De Gendt, Tim De Klerk, Edouard Teuns. Mais on a quand même des courses maintenant où le niveau s'homogénéise. Donc on a un niveau où il y a de la bagarre dans le final. Il y a eu quand même eu une époque dans le cyclisme féminin où on avait une hégémonie d'une fille qui, dès qu'elle attaquait, elle mettait un petit peu tout le monde derrière. Et ça simplifie un petit peu la... Cinq coureurs se sont élancés ce matin depuis la place Saint-Lambert à Liège, dont 47 néophytes, 27% du peloton. 7 coureurs à l'avant. Le Wallon, le Hervien, natif de Rocourt, Loïc Vlighem, accompagné de Lorraine à Rolbeek et Mertens, c'était à l'attaque lors des deux dernières flèches, hein, la Brabançonne et la Wallonne. Dans 3 minutes, nous basculerons sur la une où nous vivrons ensemble la suite et la fin de cette doyenne. Les hommes de tête qui sont à Salm-Château, la pierre à rasoir était jadis extraite et travaillée à Salm-Château, puis direction Vielsalm. Et
et plus que jamais des côtes, ces 11-là, ce sont les côtes répertoriées, parce qu'il y en a d'autres un petit peu partout disséminées et qui ne sont pas dans le... Encore un jeune Belge, brugeois, Aaron Van Poek. Et puis on ajoutera le plus à l'est dans cette échappée, le Polonais de Cracovie, vétéran Thomas Marcinski, 37 ans pour l'équipe Lotto Soudal, et le Russe de Moscou, Sergei. Et on revoit cela. Ici, là, en fait, il sent qu'il n'a pas d'adhérence là. Et du coup, derrière, il y a Ineos qui passe tout près. Ouais. Parce qu'en fait, le coureur qui est derrière ne peut pas se dégager et s'y attend pas. Mais ça aurait pu faire une chute dommageable parce qu'en tête de peloton. Donc finalement, ça repasse bien. Fabro va réintégrer le peloton. Il n'y a pas de chute, pas de conséquences et c'est tant mieux. Ouais, donc Schachmann, vous avez raison, c'est un des rares qui a progressé, qui a su garder au moins son niveau depuis qu'il est parti. On se limitait à prendre les échappées de départ dans les grandes courses pour essayer de rivaliser un petit peu plus. Là, on... Aux alentours de 16h50, 40-45 à peu près, si on reste sur ces bases-là, c'est approximatif. Mais donc dans cette côte, oui, c'est ce que disait très justement Van Melsen, vu quand même que la meurtre dernière au Dauphiné avec cette chute, ben, il n'a pas pu enquiller cette course de 10 jours. Qui est quand même important hein, quand on fait un Dauphiné, ça commence à devenir une course très très importante. C'est une course très importante et ce volume est utile à faire progresser les coureurs. Et Quinten Hermans, quand on est capable de faire ce qu'il fait en cyclocross, on a forcément un très gros moteur. Un Américain avec un nom évidemment à consonance belge. On avait Van Garderen, le Néerlandais était dans l'autre sens lui. Et donc Van Poek qui passe en tête au sommet de la côte de Mont-le-Soy. Et nous sommes à... voir une accélération, mais au vu du vent, on va, à mon avis, continuer de faire ce travail de sape et en tous les cas, ce travail de contrôle par les équipiers. Attention, pour la première fois, on voit quatre coureurs de l'équipe Ineos se placer. Est-ce qu'on est déjà mentalement peut-être dans Mont-le-Soy? Oui, sans doute. Sur la gauche, le placement sur ces routes magnifiques. Alors, l'équipier de Benoît qui vient aussi à l'avant. C'est même Tiche Benoît. C'est même Tiche Benoît. D'ailleurs, c'est lui qui était dans les cailloux. Hein, On se sont partagés 8 podiums. On a eu 5 deuxièmes places. Jalabert deux fois, chaque fois derrière Michele Bartoli. Fabrice Philippot en 89, on l'a peut-être un peu oublié, avait été devancé par Kelly. Jean-Claude Leclerc l'année suivante, devancé par Van Lancker. Et Alaphilippe. Ça reste toujours son meilleur résultat ici en 2015 devant. C'est pour cela que depuis plus de 5 ans, la DH accompagne les sportifs pour rencontrer les plus belles performances. La DH des sportifs, l'exploit des uns, la passion des autres. Donc la France n'a plus gagné Liège-Bastogne. 30 ans que la France n'a plus gagné le Tour des Flandres. 24 ans, on attend un successeur à Guédon pour le Paris-Roubaix. C'est dur, alors qu'on a de bons coureurs. Alors qu'il y a des coureurs pour ce profil-ci. Oui, tout à fait. Alors, peut-être sur plus. Ouais. Come on.
One. Petit col abrupt dans lequel, se trouvent les coureurs avec Pass Kens. Donc à l'attaque déjà dans le Tour des Flandres. Donc c'est quand même son deuxième monument à l'attaque de la saison. C'est un solide gaillard, hein. Très solide. Normalement, un coup de pédale en force, hein. Il sait mettre fin quand il faut. Mais c'est plutôt quelqu'un, on le verra probablement, et je lui souhaite qu'on le voit dans le final quand il va sortir. C'est plutôt quelqu'un qui met vraiment du braquet. Et là, je trouve qu'il a vraiment un coup de pédale souple. Il est à l'économie dans son coup de pédale. On sent bien un coup de pédale beaucoup plus économe si on le voit, si on va voir la différence avec son équipier là. Ouais. On doit envoyer une petite page de pub juste avant la trilogie. Donc comme les favoris vont arriver, on va le... Si elle n'y est pas, et elle a peut-être d'autres ambitions avec un gamin, qu'on a vu exceptionnel mercredi. Il était déjà bon le dimanche à l'Amstel Gold Race, mais c'est Tellette, 19 ans, dont on reparlera. Les coureurs lâchés, pas de grosse surprise à ce stade-ci, même si Galopin est là. Oui, Galopin qui était autour des Alpes hier dans l'échappée, hein. Hier ou avant-hier. Et là, maintenant, il est là. On l'avait déjà vu à la flèche mettre ses équipiers en route. Et pour la première fois, on a un petit peu de Groupama avec un Godu qui a de belles ambitions, très certainement. Aujourd'hui, le Breton, meilleur résultat, sixième ici en 2019. Le vainqueur de l'étape de Araté au Tour du Pays Basque pourra essentiellement compter sur Rudy Mollard, qui a déjà fait trois fois top 20 ici. Peut-être un peu moins sur Madouas qui reconnaissait dans quelques instants à Stavelot. J'en profite aussi
pour vous faire quand même ce petit message intéressant. On espère bien que le 9 mai, la Flèche Ardennaise pourra se disputer, la 56e édition, avec quand même à son palmarès Joseph Bruyère, Eric van der Aarden, plus près de nous, Backlands, Vliegen, Van Hook, Kung. Après la ville de Herve pendant 20, tous ces organisateurs, il y a tous ces bénévoles qui véritablement font tout ce qu'ils peuvent pour mettre cette course au point. Accélération de Luis Leon Sanchez en vue du sommet avec Fraile et un équipier de la Philippe. Est-ce que c'est une contre-attaque? Ouais, non, ou c'est durcir? C'est surprenant. Honoré en troisième position. Ouais, c'est surprenant parce qu'on est, très loin dans l'attitude. J'aimerais bien savoir quel est l'objectif de ce contre, de cette attaque. On sent que c'est une accélération qui est en demi-teinte. Hein. Oui, c'est un contre. Hein. J'ai l'impression qu'on est allé chercher des points. C'est surprenant. Mais bon, ça durcit la course. Oui. Ça met du rythme. Et ça va étirer un petit peu tout cela. Caractéristique. Non, c'est vraiment, c'est très très raide. Hein. Et c'est une toute petite route. C'est pour ça qu'on a l'attitude des coureurs de l'équipe Ineos derrière, qui prennent le contrôle pour garder, suite à l'accélération, être devant et pas avoir ce regroupement. Parce que ça frotte entre les deux ascensions, hein, pour venir quand même se placer. Donc si on a l'avantage et qu'on est devant et qu'on peut étirer un peu le peloton, c'est pas négligeable que d'en profiter. Et j'aime bien de rappeler quand même qu'à ce moment-ci, les coureurs ont 180 km dans les jambes. Hein. Ah oui, c'est clair. Pour ce bel exploit, ce beau défi, bon courage pour la Race Cross Belgique et bravo à Cédric pour les avoir accompagnés et avoir permis ce challenge réalisé. Voilà, félicitations à vous. Vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus. Oui, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais c'est vrai, comme vous dites, quand on aborde ici à 180 km, c'est dur et raide et on est encore loin de l'arrivée. Et j'en profite aussi pour redonner un petit coup de pouce à nos amis de la vieille boucle lustinoise à Lustin. Vous savez, cette fameuse course de vélo vintage, toute version, années 60, 70, règle d'âge. Que quand on est au-dessus, quand on croit qu'on est au-dessus, on n'y est pas. Ah non, à la haute levée. C'est ça. Et ouais. Ce long bout droit là sur cette route très large, parce que là finalement on est dans des toutes petites routes, on est un peu en forêt. Et là-haut, vous allez vous retrouver sur cette route, je ne sais pas si c'est une nationale, voilà la stèle. Voilà la stèle Eddy Merckx et Marcinski après WAM. Donc vous l'avez très bien décrit. Direction maintenant la haute levée, avec évidemment Stavelot, belle image d'hélicoptère. Et puis là, ce qu'il faut bien prendre en compte... Hein, vous voyez, vous aviez dit que les coureurs allaient se déshabiller et vous donnez des mauvaises idées à des spectateurs. Lui, il était vraiment déshabillé. Vous incitez. Et ce que j'allais dire, là, dans cette ascension... Ouais, quand on voit ce que Seri fait dans la montée, dans ces pourcentages-là, il parvient même à enlever une partie de... Je crois que c'était ses... ses manchettes. Ses manchettes, alors que... tout en montant là-bas. Et c'est raide. Ah oui, là... À cet endroit-là, j'en connais beaucoup pour qui c'est la chute assurée. Ah oui, c'est clair. Oui, il y a un petit peu d'habitude. Hein. Il faut avoir un petit peu de... Bah, c'est des pros, c'est... Peu... L'abbaye de Stavelot vous propose ici, je vous avais dit, l'histoire de la ville est liée à cette abbaye fondée par Saint Remacle vers 650. Qu'est-ce qu'on peut penser de Full 5? On n'a pas vu grand-chose, mais c'est de lui depuis le début de la saison. C'est sa 11e participation, son 20e monument. Il n'a jamais disputé Milan-San Remo ou Paris-Roubaix. Il n'a fait qu'une fois le Tour des Flandres. Donc autant dire qu'il a tout réparti entre Liège, Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Tiens, qu'il a... vous connaissez Mespildorsen. Mespildorsen, c'est Mats Pedersen. Ah. Et alors, plus compliqué... Sean Crow Anderson. Sean Crow Anderson. C'est qui? C'est sur une traçance hors championnat du monde. C'était le Tour de Lombardie qui avait terminé à 62e place. Alors Marcinski qui veut. Oui, oui, il prend les points à Marcinski. Hein. Ouais, ouais, il a fait le triplé, hat-trick. Quitte à prendre quelque chose aujourd'hui. Haute levée. Ah oui, l'équipe Lotto Soudal. Et certains diront en est-elle réduite à cela Là, on voit bien aussi comment on ne peut plus utiliser toute la largeur de la route comme on pouvait le faire avant 1900,
avant l'accident de... Bien évidemment, ça pouvait dépendre des années. Mais c'était un moment où il y avait des mouvements de Philippe Gilbert. Attaque de Philippe Gilbert à 75 km de l'arrivée. Et il sait que c'est un lieu stratégique, il le sait lui. Ah oui, mais il connaît. 10 ans après son exploit, attaque de Gilbert. Mais regardez, évidemment, lui, il passe pas inaperçu. Hein. Alors, il est contré par un coureur de l'équipe Astana avec Seri et Gilbert poursuit. Ses chutes, je parle de ses chutes, il est encore tombé lors de la flèche wallonne. Mais quand on s'appelle Philippe Gilbert, on a une pancarte tellement grande qu'on hésite quand même à laisser partir. Ouais, c'est clair. Oui, même si vous êtes un peu moins bien. On est toujours. C'est ce que vigilant. Disait aussi Tim Wellens. Tim Wellens fait partie de ces coureurs qu'on ne laisse plus partir. Hein. Non, mais c'est clair. Ouais. Oui. De Mathieu Istas, on va écouter au sommet de la haute levée le champion olympique, casque d'or, l'homme de Rio, Greg Van Avermaet. On sait que votre prince. Qui va venir nourrir ce parcours juste avant la Côte de la Redoute. C'est quand même assez symbolique de se dire que... Vous voulez dire que Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet tous les deux en attaque. Avec ces écuries de la petite reine, paysage splendide, et où... Je sais pas ce qu'il a eu. Partie de l'année, que... la sœur de Greg Van Avermaet habite avec donc Rick ouais. Verbrugge. Je sais pas du tout ce qu'il a eu parce qu'il a que eu. Là c'est un effort. Effort quand même qui va lui coûter de rentrer dans les roues là. À ce moment-là, peut-être qu'il n'était pas bien et qu'il avait décroché quelques kilomètres plus loin auparavant et qu'on n'avait pas fait attention. Mais attention à ce relais. Moi, je ne suis pas certain qu'il arrive à rentrer. Hein. Regardez, il n'arrive pas à faire l'effort, là. Et ça, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Paskins devrait peut-être se relever un petit coup. 16 secondes, voilà, c'est l'écart entre c'est top de tête et le peloton est à l'arrière. Van Avermaet qui à son tour est en train d'essayer de secouer le peloton. Donc voilà, sans succès bien naturellement. Mais ce qui fait que les gars... Stocke haute levée se dirige vers le col du Rosier. Voici les 7 coureurs de tête qui se sont dégagés après seulement 6. Ben Tullet, 12e de la Flèche Wallonne. Tout jeune. 19 ans. N'oublions pas un Louis Vervaecke qu'on a vu à l'offensive dans la Flèche Wallonne, qu'on va peut-être voir dans un autre registre. Lesquels les hommes de tête amorcent l'ascension. Alors c'est la plus longue, hein. Plus de 4 km. Facile, Tadej Pogacar qui, alors que ses adversaires disputaient la Flèche Wallonne et que lui ne pouvait pas le faire, il a fait une sortie de 210 km pour reconnaître la course d'aujourd'hui. Bon. Juste avant le col de Rosier. Pas l'air trop stressé, Tadej Pogacar, qui n'a jamais gagné une course d'un jour... Écoutons-le. On écoute Pogacar, il est au micro de Mathieu Istas. A little bit disappointed, but yeah. Gilbert, basic Gilbert, but the distance looked clear, it was the wall. Gilbert is back to the ball, eh? Assist. Zena. Thank you.
Yeah, that's right. That's better. Yeah. Superbe, direct. Lotto. C'est Philippe Gilbert en deuxième position dans le col du Rosier. Et deux équipiers d'Alaphilippe, hein, qui ont contrôlé parfaitement la course pour le moment chez De Koenig. Par contre, il y a un équipier de Roglic là, qui s'est garé. Ouais. C'est Martin là par contre. C'est ce que me disait justement, c'est pour ça que je pensais à lui, Rick Verbrugge, Hollenstein, lui sa course terminait à la haute levée pratiquement. Non, c'est Rémi Rochas ça c'est un jeune français, c'est un tout jeune français, Rémi Rochas, grimpeur, vainqueur de la Classique des Alpes chez les juniors, on parlait de... Donc c'est un bon grimpeur. Hein. Ah. Mais quelle montée de Rochas là. Ouais, très costaud, très costaud, Neil Lanz aussi il est fort. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on voit Neil Lanz sur tous les terrains. Le dernier vainqueur du Grand Prix de Wallonie. Et c'est Luke Rowe qui y va là. Ouais, et un deuxième Astana. 1 km 300 hein, avant d'être au sommet. Ce qui va faire très très mal au peloton ça. Hein. Il y a les petits groupes 3, 6, 9, 12 coureurs, puis le peloton. Allez. À vérifier. Ça, donc, ça, c'est la... Et donc, quatrième passage consécutif en tête pour Marcinski. Qui lui, il aura plus qu'à finir la... comme on dit, un bon coup de savate Banouk aujourd'hui. Qui sort. Et c'est reparti la bagarre. Alors, vous voyez, quand on court sur Marcinski, quand on court de façon offensive, on prend peut-être des risques, mais au moins on crée du mouvement de course et on n'attend pas. Je parle bien pour les équipes qui n'ont peut-être pas le coureur qui est en mesure de suivre les Valverde, les Julien Alaphilippe et Roglic dans le Est-ce final. Que ce serait Hamilton. Oui, en plus, un gars comme Bernard aurait fait du bien à cette échappée, hein, soyons clairs. C'était toujours un coureur très résistant, très costaud. Oui. Avec un sponsor qui s'appelait du nom de la côte oui, que Philippe Gilbert aime bien. Et quand il a vu marquer la redoute, Ekimov se serait mis sur son gros développeur. Le trio composé de Donovan, Vanouk et Padoun. Je trouve que c'est une bonne chose hein, d'avoir repris... Chez Bahreïn, c'est un ancien vainqueur, c'est... Wout Poels. Et sur le gros plateau, elle est d'autant plus redoutable, hein, parce que ça monte quand même... 54 km, 7 coureurs avec, qui ont pu reprendre une bonne trentaine de secondes. Mais inter... Et oui, ce que je vous disais, hein, on est revenu à 3,40 maintenant pour les hommes de tête. Et ça, c'est quand même c'est rare qu'à ce moment-là de la course, on puisse reprendre quasi une minute gratos. Hein. Soyons clairs, tel qu'un Vliegen,
à l'avant de la course, peut-être aussi avec un Rota qui est un grain. Mais c'est presque du sadisme de l'organisation de ne pas mettre le Hornet. Surtout après 220 km, quoi. Et dans votre connaissance, c'est hyper important de savoir, parce que vous pourriez, si vous n'avez pas fait là. Il a fait du pays, il a vu du pays. Ouais, il a voyagé. Et voilà le trio. Sont des gars qu'on peut voir dans l'école. Hein. Ouais. Vraiment. Ouais, plutôt profil grimpeur. Hein. Et qu'on ne risque évidemment pas de voir trop souvent quand même à Paris-Roubaix. À Paris-Roubaix, je ne pense pas. Quoique lui, quand on le voit comme ça. Ouais, Padoune, hein, c'est encore. Padoune, on se dit. Thierry. Ouais, je croyais qu'il nous avait dit au revoir. Ouais, mais on a dû c'est lui dire. un bluffeur, un filou, comme dirait Gérard Bullens. C'est bien serré en plus. Ouais, c'est dingue. Fou quand même, mais ça veut dire il que nous ça avait a dit pas au revoir, monté il vite. Oui, évidemment. Et là, on a un quatuor pour l'équipe de Charman avec notamment Schill. De Koenig ou. Parce que les Bora sont là pour l'instant, ou est-ce qu'on est en train de leur dire à vous de jouer, prenez vos responsabilités et. À mettre du scotch sur mes mains. voilà, je trouve ça pas mal comme démarre. Vous voyez que Roglic est gêné là. Ouais. Ouais, ouais, Roglic est clairement gêné. Alors, c'est dur. Ça fait mal là, hein, sur cette montée là. Peter Seri qui s'était garé tout à l'heure, qui est devant, qui refait un gros tempo et qui refait des dégâts et qui arrive à contenir l'offensive de Rémi Rochas. Qui a tenté de fausser compagnie à ses compagnons d'échapper. Je vous rappelle que intercalé entre les 7 hommes de tête et le peloton pointé à 2 minutes 40, il y a ce trio Vanhoek, Padoun et Donovan. Les hommes de tête s'appellent eux. La haute levée, les coureurs sont passés à Stavlo, dont les habitantes s'appellent bien les Stavlotennes. Et l'équipe, pour la première fois, là, clairement, des gars comme Vanhoek intercalé, il y a quand même danger. Ouais. Et donc maintenant, on a sonné la charge avec le petit Knox en troisième position. Devenelet, peut-être une petite, je ne vais pas dire guerre des nerfs, mais d'influence entre les équipes. Et clairement, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il y a des bons coureurs devant. On sait qu'un Vliegen dans un. On n'en est pas encore au point des Néerlandais qui, carrément, avec l'Amstel, en font le nom d'une course. Ben, ça va venir. Et tout ça est bien joli. Belles initiatives dans notre région. On met suffisamment en évidence aussi. Le vélo, c'est aussi le physique et le mental. Est-ce qu'il est capable de s'infliger les séances d'entraînement qu'il était en mesure de faire quand il était encore, je vais dire, dans la force de l'âge et dans la force mentale de. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est Marcinski qui doit prendre les relais. Vanhoek ne pas les prendre ou faire l'inverse? Moi, j'inciterais plutôt à tourner l'échappée, mais on ne donne pas tout puisqu'on a déjà un homme devant. Ouais, mais Vanhoek, s'il peut quand même se présenter au pied de la redoute avec une 30 d'avance sur le peloton, c'est un. On le laisse pas partir. Ah oui, c'est mais clair. C'est pas nous qu'on le laisse. Peut-être que dans un an ou deux, on ne le laissera plus. Oui, mais tout à fait. Et Vanhoek peut être intéressant parce que ça veut dire qu'il va monter la redoute à son rythme. Obligatoire, ce sont la réglementation notamment de l'Union Cyclisme Internationale. Voilà, et notamment d'ailleurs toutes les autorités sanitaires qui. Courir avec les Vliegen et la bande ici devant et avec le trio dont Vanhoek en contre. Ouais, ce qui est sûr, c'est que la course, elle est déjà. Il y a deux échelons de course, ce qu'on a rarement. On a souvent qu'un seul échelon de course et même quasiment une échappée qui est quasi reprise. Là. Il
véritablement de Philippe Gilbert qui disait, qui confiait que c'était très bizarre pour lui de se retrouver dans un hôtel là au pied de la Redoute, pratiquement à domicile. La Redoute donc introduite en 1975, l'année de la dernière victoire. On se rend, l'impact de l'autoroute qu'on longe est encore beaucoup plus beaucoup fort. Beaucoup plus hein, important, mais tout à fait. C'est, quand il y a la foule, on ne s'en rend pratiquement pas compte. Et c'est là que ça commence, hein, réellement. Voilà, ici, avec le petit virage à droite, sous la conduite donc, de Marcinski. On a vu que Paskens avait lâché prise. Marcinski. Regardez le drapeau qui confirme. Et Vliegen est bien rentré dans la roue là. Vliegen est bien rentré. Van Poek au caractère. Premier kilomètre à une moyenne de 7,4 et 8,1%. Et puis c'est après. Hein. Et regardez comme l'écart fond. Hein. L'écart, c'est. Ouais, le mais... 3, c'est le peloton. Hein. Oui, le 3, c'est le peloton. Mais c'est quand même très intéressant pour les hommes de tête d'avoir à la bascule. Et parce accélération que... devant, je ouais. pense. Louis Vervaeke et Lammertinck chutent en effet au pied, vraiment dommage. Et là c'est Guggenhardt. Hop, chute avec Lammertinck. J'ai bien peur que je me demande si c'est pas Vervaeke. C'est au pied du mur. Aïe, hein. Aïe, aïe. Oui. Tout en tête de la course, c'est lui, Lorenzo Rota. Décidément, Lammertinck mercredi est le seul qui. Mais non, en fait, on aurait dû. En train de monter à leur rythme. Ouais, ils savent qu'ils peuvent faire le bond peut-être juste sur la bascule pour Sørensen. Et on sait qu'il reste encore les forges et qu'il reste encore la roche au faucon. Que même si. C'est pas. Non, ça c'est pas Rochas. Ça doit être l'Espagnol là. Donc Fernandez, Guggenhardt. Ouais. Et évidemment, si Van Hook peut récupérer Marcinski au moment de basculer, c'est intéressant aussi pour lui. Ouais. Je vais vous confier, tout à l'heure, j'ai été voir Sébastien de Marbet qui m'a dit tu verras, quand il en restera plus que 3, il sera dans ceux-là. Et là aussi. Et là, on est dans la partie qui fait... On peut mettre un petit peu ça de... Y est, vont de côté encore là dans l'ascension, sur le haut de l'ascension, puisqu'on bascule, hein, on est presque à l'eau. Pogacar, Charman. Ouais.
Oui, hein, oui, grosse, grosse écorce. Vous savez que vous avez ici les deux premiers du Tour de France. Vous avez le premier et le troisième du Tour d'Italie et les deux premiers du Tour d'Espagne. Hein. Oui, ouais, là, Schachmann. Ah. Quatuor devant Pogacar. Ça, c'est Van Poek. Qui va survivre au-dessus? Ils seront plus très... Carapace, Kwiatkowski et Yates dans ouais, cet ouais. ordre-là. Ah oui. Là, c'est de la haute voltige. Hein. On prend le sillage. Alors, et attention, il n'y a pas Alaphilippe. Woods et il n'y a pas d'Alaphilippe. Il n'y a pas d'Alaphilippe ici. Attention, il n'y a que Van Severen quand il est passé devant nous. Hein. Il y avait un léger vent de côté au moment où ça s'est fait. Donc, il doit faire attention parce que là, quand même, de faire que tous les autres, tous ses rivaux aient réussi à passer, pas lui, c'est quand même embêtant. Ouais, ouais, mais s'il a encore le bon équipier, là, c'est un effort qu'il n'aura pas consenti. Maintenant, il faut avoir l'équipe. Ineos, c'est vraiment, ils sont en train de faire une poursuite à 4. Ouais. Hein. Et là, quand on va faire l'inventaire. C'est toujours à 4 une poursuite, non ? C'est ça, c'est toujours à 4 une poursuite. Gilbert, Alaphilippe, j'ai cliqué dans le hornet. Regardez, ça roule très très fort derrière. C'est mais, gros, mais gros les 4 Ineos ne vont pas s'arrêter. Hein. Ils sont en train d'essayer de. Ah, tant que c'est pas rentré. Gros coup, hein. Thierry va certainement essayer de nous montrer ça. Vous voyez, Heuss qui regarde derrière lui. Ça n'a pas ce duo Heuss-Rota. Ça aurait été bien d'être à 4 hein, là. Je sais pas si. Il y a Marcinski et Vliegen qui doivent se trouver quelque part. Et on est en train de filer vers. On est à Sprimont, la Côte d'Ornay. La Côte d'Ornay, ouais. Attention, on. Ouais, puis on pourrait avoir et un Vliegen, temps mort derrière. Hein. Comme une fusée. On pourrait avoir un temps mort. Et on a là 100% de nos équipes belges et pas la plus grande, quoi. Ouais. Mais c'est du beau travail. Hein. Ouais, ouais. Là, Philippe. Il a fait le bon. Merci à Devenens et à Honoré ou Knox. Ça pourrait temporiser, mais il y en a qui vont peut-être profiter de ce moment-là où on pourrait se regarder un petit peu. Au gros travail. Attention, Marcinski qui a attaqué. Ah, voilà, Philippe avec Chavez. Le vent de trois quarts face hein, ici sur le sommet du Hornet. Prendre le chemin qui va mener aux forges. Van Sevenant a pris le bidon. Allez, pour l'instant, on stagne et ça continue derrière le Van Sevenant qui fait les efforts à chaque fois. Écoutez, Guggenhardt est monstre. Et puis, on a Nylans Woods. Le numéro 26, c'est toujours... comment s'appelle-t-il ? C'est Padoun. Padoun. Là, il y a Valverde. Il y a encore un... Schachmann, Guillaume Martin. Alors, Valverde, ça, c'est bien comme image. Valverde, Knox, Padoun, Pogacar. L'équipe Ineos qui a fait un gros, gros travail. Bon, Alaphilippe, c'est quand même quelque chose. Hein. Il est toujours dans les trois magnifiques. C'était avec Van Aert et Van Der Poel. Et quand ces deux-là, comme c'est le cas maintenant, ont pris un petit peu de recul... Guillaume Martin important et voilà donc cette petite rue avec vous avez vu le premier casse vitesse là-bas il y en a un deuxième aussi la présence de Rota peut être utile pour que Vliegen puisse fausser compagnie à tout le monde maintenant de toute façon c'est chacun pour soi hein. C'est les jambes qui vont parler c'est la longue descente hein, qui mène vers les forges et ce demi-tour gauche avant d'ascension pourquoi descente, Rota roule là c'est quand même plat hein. Là ça descend un petit peu on le retrouve seul en tête mais à 26 km de l'arrivée. Ouais, là Trek. Ouais. Je comprends pas. Alors après, ils ont le droit de rouler. On peut pas leur interdire. On est dans la course. Mais c'est vrai quand on voit la constitution. On a vu Benoît. On a vu Van Sevenant. Est-ce que vous avez vu Wellens dans le groupe? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Il me semblait c'est lui qui fermait le groupe. Oui, je me semble. Hello. Oula, alors lui, tombe le repos. Côté de Namur. Et on a Quinton Hermans qui alors, était là devant encore. Ah, et Loïc. Loïc à moins de 25 km de l'arrivée. Expliquez.
Je sais pas non, dire. Non, exprimez-vous. Non, mais je sais pas pourquoi Rota fait ça. C'est pas à lui de faire cet effort-là. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que psychologiquement, ça, c'est embêtant pour lui. Mais c'est pas à lui de faire cet effort-là. Soit il arrive à distance. Et voilà, les coureurs de trek qui roulaient tout à l'heure peuvent pas y aller. Oh, ça c'est solide. Hein. C'est Squins qui est derrière en compte. C'est la dernière difficulté avant la manche au faucon. Squins en troisième position, vous avez raison. Et qu'est-ce qui... Victime de crampes. Ah là 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 là. Mais c'est pour ça que Rota avait aussi tout intérêt à rester dans la roue et à laisser... Il se tient la cuisse droite. Ah, quel dommage. Un petit peu plus en retrait. Marcinski et Rota ont encore 18 secondes. Ça me paraît même... Alors attention... Ça revient très très fort derrière. Guggenhardt a fini son travail et c'est Adam Yates flanqué de Vingegaard. Guillaume Martin, c'est dur. Et Rada. Quinn Kunterlermann, ça fait mal. Tout le monde est en train de souffrir énormément. Là, la Philippe. La Philippe, un petit coup de gros plateau quand même. Hein. Gros plateau dans les forges. Il est très bien, Woods. Difficulté au sommet de la redoute. Il avait beaucoup de retard sur le groupe. Je crois que vous avez raison. Vous avez raison. C'est Egg. Merci. Confirmation. C'est bien Egg. Et Rodrigo. C'est juste. Ouais, c'est pas si simple, on les voit pas. Gaudu est bien aussi. Ouais, Gaudu est rentré, ils viennent de faire le jump là. Je pense que là on arrive dans une zone où on va prendre du vent. Roglic va pas rouler, ouais. Il a Vingegaard devant. À la Philippe, il a Van Sevenen devant et il y a du lourd pour protéger Pogacar. Attention ce petit groupe qui prend de l'avance. Marcinski sont toujours là. Et regardez. Pogacar lui, il dit faut y aller. Il dit faut y aller. Il y a une opportunité. Ah oui, mais Pogacar, il dit, j'ai pas Roglic, j'ai pas Valverde, je n'ai pas Alaphilippe, c'est ma chance. Ah, et c'est Carapace. Mais quelle tactique offensive de la part de Ineos. Ineos, c'est incroyable. Et Van Sevenant y va. Ah, il y va avec un contre-temps, Van Sevenant, là, ça va être compliqué. Carapace qui fait un bel effort, là. Avec autour de Romandie, mardi. C'est l'équipe de Valverde qui roule et l'équipe de Chakman. Exactement. Mais là, c'est normal. Hein. Oui, mais là, c'est logique. Ouais. Rare que l'on ait vu ça. On profite là d'une zone de tactique de course. Dimanche dernier, très fort. Le vainqueur. Attention, parce que Carapace, il ne va pas venir taper la tête dans la roche au faucon, même si elle va lui faire très mal. Hein. Carapace qui n'a absolument aucune expérience. C'est le 13e. Il ne connaît pas Liège-Bastogne, il n'est jamais venu. Non, et puis on a plutôt l'habitude de le voir attaquer dans la montagne. Là, il est dans un rôle de puncher énorme. Vingegaard ne va pas relayer à fond Pogacar quand il sait que Roglic est derrière. Il a peut-être tort, mais en envoyant un homme seul, on fait regrouper derrière et on va peut-être avoir 4-5 équipiers. Et dans cette partie, dans cette longue partie pour aller chercher la roche au faucon, avoir 4-5 coureurs pour rouler et ne pas travailler en tant que leader, c'est quand même utile. En lui. Ricardo Antonio Carapaz Montenegro, 27 ans. Il avait gagné quand même
la 4e et la 14e étape de son Tour d'Italie victorieux à Frascati. Incarne hein, finalement cet esprit offensif que l'on retrouve maintenant chez Ineos, vainqueur du Tour d'Italie 2019. La pépite des Andes, la dernière trouvée de Movistar, parce qu'il est avec Kwiatkowski. Ouais. Et c'était bien la roche sur Foron et pas la roche au faucon dans laquelle on va arriver. Oui, il faut... Vous avez bien rebondi. En tout cas, on a encore eu la confirmation du talent de... Pas qu'à 13-300, on bascule, quoi. Non, c'est-à-dire que la difficulté en elle-même, elle est là. Mais une fois qu'on a la bascule, on a les quelques petits toboggans. Et à un moment, on repart légèrement dans la plaine. Et c'est là, en fait, la vraie difficulté. C'est cette deuxième partie de... Par contre, ça risque de monter costaud. Enfin, ça va monter costaud, c'est sûr. Oui. Dans la roche au faucon. Donc, parce la roche là... au faucon, on rappelle que c'est la dernière difficulté, que son sommet est situé à 13 km 300 de l'arrivée. Ça sera de passer les pourcentages avec les meilleurs de la roche au faucon. Ouais. Alors là, on arrive maintenant dans la localité. On va arriver au pied de la roche au faucon, là, après le pont, à gauche. On passe sur l'Ourthe. Ça se dresse vraiment comme un mur, hein, très pentu au début. Et cette difficulté a été introduite sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège en 2008. Et Valverde, il fait aussi fortement travailler ses équipiers. Hein. Bien placé dans la roue de Julien Alaphilippe. Et Loïc Bleghem qui est revenu, qui replace. Regardez, c'est quand même Loïc Bleghem qui avait des crampes, qui est revenu. On n'est pas obligé d'emprunter aujourd'hui. Rassurez-vous, gardez les pourcentages. Et donc, situation intéressante. C'est très impressionnant, hein, le dernier vainqueur de... Quels sont les vainqueurs de Tour? Alors que Van Sevenant, point barre. Voilà les vainqueurs de Tour, vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège. Léon Sieur, lorsqu'il avait gagné ici le Namurois en 1920, il n'avait pas encore gagné le Tour. Il allait le faire un peu plus tard, un an plus tard. Alors... Devenamètre. Hein. Alors Carapaz, les mains en bas du guidon, avec encore un avantage intéressant. Goduc est venu se porter à la hauteur de Julien Alaphilippe. Woods, Pogacar, Valverde, Roglic. Je pense que c'est Fuglsang qui est juste derrière aussi. Ouais. L'avantage. Il donne des coups de pédale. Attention, attaque de Formolo. Formolo, ouais. Attaque de Formolo sur le côté. Alors Gaudu voudrait bien y aller aussi. Et c'est Woods. Vite pour Roglic là, non? C'est possible. J'ai l'impression qu'il y avait 2 mètres c'est à boucher possible. Et qu'il a plutôt fait signe d'aller sur la droite de la route. En non, tout il cas, est là-bas. Formolo. Ils ne peuvent pas y aller. Il ne sait pas aller, Roglic. Roglic, il ne sait pas aller là-bas au fond. Exact. Et Woods encore qui décramponne Goduc. Il lui prend 1 mètre, 2 mètres. Oh, la cassure Michael de Roglic. Woods. Et Wellens qui serre les dents. Il n'a pas su prendre les roues. Il y a Valverde qui est encore là. Attention, Valverde. Hein. Ah oui. Puis les limites. La deuxième partie pour Gaudu, elle pourrait être moins en sa faveur parce que c'est une bosse où il faut monter un peu plus, il y a du vent,
plus dégagé, moins grimpeur, plus en force. Mais ça y est, c'est perdu hein, derrière, ça, à mon avis. Est-ce que vous allez encore pas passer? Et là, ça se relaie forcément. Les 5 coureurs. Alaphilippe, Woods, Valverde, Pogacar et Gaudu. Oh oh. Plus dur, hein. Oui, oui. Mais ils connaissent tous, hein. C'est l'avantage. Ouais. Deux Français, un Slovène, un Espagnol et un Canadien. Ça se regarde un petit peu, on est craintif quand même. Hein. Alors Mohoric va sortir quand il dit je vais refaire le coup de la dernière fois. Je suis reparti. Évidemment, maintenant ça m'est. Aussi. Et là, Valverde, il doit commencer. Là, l'expérience de Valverde, elle va être utile. Hein, parce que lui, c'est là qu'on va revenir dans la partie qui monte. Hein. La petite partie qui monte. Et il y a un petit kilomètre à faire. Il y va Pogacar. Ça va être dur pour David. Le plus entreprenant. Et, ouais. Et très costaud. C'est lui qui a fait faire la grosse différence. Alors Kwiatkowski. Ouais, c'est Alaphilippe. Et Pogacar n'est pas dans la roue de Alaphilippe. Attention. Julien Alaphilippe. Pogacar n'est pas avec. C'est Gaudu qui fait le travail. Valverde. Regardez, très Valverde. Intelligemment regarde. Et en cas de victoire, il égalerait le record d'Eddy Merckx, Valverde, le jour de ses 41 ans. Alors, Philippe Dix. Allez, attendez! On sent qu'il est costaud, Valverde. Et Roglic tente le tout pour le tout. À 25 secondes. Bien sûr. Allez! Il n'y a plus de boss. On descend jusqu'à l'arrivée. Ça va rentrer derrière. Vous croyez? Ah, ça va être compliqué là parce que. Ou alors faut être sûr que tout le monde s'entende. Hein. On se pousse. À voir un peu qui est en mesure de rouler derrière. Ah, il y a quand même un bel écart. Il y a quand même un très bel écart et ça va de nouveau par à coup. Hein. Regardez. Chaque man. Il faut que tout le monde s'entende là. Et Hirschi fait un travail là pour caler Mollema maintenant. Allez Mathieu. Mais regardez hein, derrière, si on veut bien s'entendre. Roglic, là. Martin, Mollema, Schachmann, Hirschi. Hirschi qui va venir casser Chavez, les relais. Google 5, Benoît. Le seul Belge dans le désert. Attention, est-ce que Schachmann, quand il va s'écarter. Sprint.
Je me sens fort. Ah. Mais de toute façon, depuis qu'Asgreen a battu Van der Poel, tout est possible. On ne se prononce plus sur des sprints à la fin d'un monument. Hein. Un champion du monde, hein, Pogacar, se tenait comme s'il avait un espèce de petit point de côté ou une douleur au niveau du ventre, juste au moment où on a changé d'image. Bon, on a. Et c'est un vice-champion du monde, non? Oui, ouais, oui, hein. oui. Ou trois. C'est pas, il ne fait pas trois quand. Non, deuxième au championnat du monde. Ouais. Ouais, en deux. Ouais. Doris, moi, c'était cool, Mats. C'est possible, en bonne possible, en plus. Et on a encore un espoir, puisqu'il n'a pas encore 23 ans, Pogacar, qui est majeur, et je dirais majeur et vacciné, ouais. Depuis le mois de janvier, grâce au sérum chinois, Sinopharm. Avec Pogacar qui est de nouveau devant. Ah, ça ne roule pas devant. Ça ne roule pas derrière, pardon. Oui. Ça ne rentrera pas là. Le vainqueur est devant. Ouais, ouais. Love, Matt. Die was diep, hè? Die had hij gezegd. Dat dacht je normaal. Hier de Tchenko. Dans le groupe. Et Ineos qui s'est retrouvé contré, déposé. Et Ineos est le grand battu. Après, ouais, bah oui, parce que si Ineos ne fait pas ce travail-là. Et pas être là, ça doit être frustrant. Hein. Oui, mais parce que les 5 bornes qu'il a fait avant d'aller chercher. Ineos a un trophée derrière. Hein. Et en laissant partir tout seul un homme. Alors, la vitesse est énorme. Cyril, on a déjà eu ce printemps des beaux sprints à 2, des beaux sprints à 3, des sprints à 5. On n'a pas eu. 5 équipes différentes. On peut avoir un homme qui sort au kilomètre. Hein. Ouais. Et personne ne peut dire à 100% je vais gagner. Coureur derrière en plus de Carapace, parce que là, c'est vrai qu'il s'est fait une poursuite avant d'aller chercher la bosse de La Roche au Faucon. Et je pensais qu'il taperait un petit peu moins, mais c'est monté tête. Allez. Je sais qu'on dit dans où il y a du coup ce vagin est vite. Allez, je dirais qu'on a deux favoris. On a deux favoris au sprint. Philippe Valverde. Oui. Et on a trois outsiders. Godu va vite, mais c'est quand même pas le sprinter par excellence. D'ailleurs, il a tout intérêt de jouer même peut-être un peu la carte du Français. Qui... Où était leur intérêt? Et Pogacar va vite, hein, au sprint. Hein. Oui. Pogacar va vite au sprint. L'année dernière, il a été gêné dans le sprint. Et je pense franchement que Woods est capable d'aller vite aussi. Et il a déjà battu Roglic au sprint, Pogacar. Donc on sait que ça va vite. Valverde doit se dire qu'il a une opportunité là. Mais attention, ça se regarde un petit peu. Et on était à 24 secondes à la bascule, on est à 34 pour l'instant. Deuxième opportunité avec le maillot de champion du monde. C'est lui qui a pris les commandes, mais il n'a pas réussi à faire. Et oui, Kwiatkowski qui est en train de jeter toutes ses forces lui pour faire que ça rentre. Fuglsang avec. Mollema, Mohoric. Ça peut revenir encore. Hein. Entrée.
Mais attention, hein, parce que ça peut aller très très vite derrière si... Ouais. Allez, donne voir. Ils abattent les murs après les avoir construits pour faire fortune. Et en tout cas, c'est étonnant. Elle non plus. En tout cas, joli coup aussi pour l'équipe de Rick Verbrugge, hein, qui a bien travaillé, ouais. Franchement. C'est bien couru, propre, et Woods est fidèle au rendez-vous. Voir ce personnage qui passe dans ses réunions de la langue anglaise au français et puis à l'hébreu avec une facilité dérisoire. Et il vient rarement sur les courses et il est là. Alors Philippe, sa meilleure place, c'est deuxième. Ça lui convient mieux l'arrivée telle qu'on l'a maintenant ou celle qu'on avait à Hans à l'époque où il s'était classé justement deuxième? Je pense que... Égaler le record absolu d'Eddy Merckx. Gaudu, vous imaginez, Gaudu, il n'a pas grand-chose à perdre aujourd'hui. Sa meilleure place, c'était septième. Il est entouré que de... Celle de Hans lui convenait, à mon avis, un petit peu mieux. Maintenant... L'année dernière, il avait démontré qu'il savait maîtriser un sprint au. Quelques jours à la glaise pour pouvoir suivre et c'est sans doute même si Roglic était un adversaire, Hirschi aussi, il est dans une configuration un peu identique, ils étaient 4 et Moritz était rentré à 5. Place de Gaudu, je tenterai le coup à 800 mètres, hein. Je me mettrai un peu derrière et en me disant c'est pas Julien qui va y aller en premier normalement et les autres vont peut-être attendre que Julien y aille et une fois que vous avez pris 20 mètres ça peut des fois suffire mais... une équipe la dernière victoire française de Bernard Hinault et bien Valverde est né 5 jours loin, hein. Il y a 19 ans d'écart entre Valverde et Pogacar. Papa-fils, pratiquement. Ouais. Alors, il ne veut pas prendre le risque d'aller au sprint, Woods, qui sort à 1,3 km, contré par Alaphilippe. Gaudu doit attendre encore un petit peu, mais il faut qu'il tente sa chance. Pogacar, et bientôt la flamme rouge. Gaudu doit rester pour le moment, je pense. Il était au bon endroit, là. La Meuse à gauche, l'Ourthe maintenant. Tour de Fétin. Le virage à gauche, la dernière ligne droite, le quai des Ardennes. Entre 5 hommes, Vardé devant. On est à 500 mètres. Quand va-t-on produire l'effort? À 500 mètres, Valverde, 41 en fait son anniversaire. Ah, j'essaie de voir le vent. Gaudu.
Pogacar, 22 ans, vainqueur du Tour de France, comme Bernardino, Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Kubler. Désolé pour Schleck, il n'avait pas encore dit de gagner Liège Bastogne. Ah, énorme ce final encore. Et il va vite, hein, Pogacar au sprint. Non. Allez, belle course de la part des Emirates. Hein. Il est le meilleur quand il monte, le plus jeune vainqueur du Tour de France. Et maintenant, Tadej Pogacar. Sprint à deux avec Van Der Poel. Donc Pogacar devance quand même à la Philippe Valverde. Ah, ce sont des images absolument splendides. Ouais. Avec Matthews. On a réussi à se faufiler dans la roue d'Alaphilippe au kilomètre. C'est sans voir, mais pour Emirates, c'est important. Trentin s'était classé troisième de troisième place. Ici, ça fait tout d'un coup du printemps une réussite totale pour Emirates. Et lui, ça vient tout de suite nourrir. C'est une victoire assez géniale. Et dans le contexte, n'oublions pas, cette équipe, on le rappelle, n'a pas pu disputer la Flèche Wallonne. Et finalement, les 210 km, qui sait, ces 210 km, on préfère se dire. Il y a le vainqueur du jour, Tadej Pogacar, qui débarque sur le plateau de la bicyclette. Hi, thank you very much for coming here. The first question that we want to ask is, what is your feeling just right now, a few minutes after this one? Quel est votre sentiment après cette superbe victoire? Yeah, the feeling is incredible. After last year, the desire to win of this race was really big, and after disappointment on Wednesday when we missed the race, the motivation was super super high, and we're so happy to take the win. It's just incredible. You've been incredible. So the sprint was also amazing. It was very important for you to be just behind Julian before the sprint. Donc gros travail de l'équipe, et on se demande si c'était important pour Tadej Pogacar d'être derrière dans la roue de Julian Alaphilippe pour le sprint. Yeah, the team worked today. The team, everybody did 100% today, and I was super proud that we were in the game in the end with many guys, and I was just. I'm really proud of the team, and we are becoming one of the best teams, and I'm just super happy to be a part of it. And in the end, it was all about the sprint, and I was a bit lucky that I just got enough speed in the end. Otherwise, I was already coming short. Alors, très gros travail d'équipe, il l'a dit évidemment. Et puis il est heureux aussi d'avoir pu terminer et d'avoir encore l'énergie et la puissance pour le sprint final face à Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe has said that he was very pleased with your win because you were the best today. That's a few good words from Julian. Julian Alaphilippe qui a dit que c'était un beau vainqueur aujourd'hui. The front group. Such a big names and such a good riders, and to get a compliment by a world champion, I'm really, really grateful, and I'm super happy, and thanks for these words. He's one of the best riders for sure, and good world champion we have. Thank you very much, Tadej, and good luck for the rest of the season and of course the Tour de France. Thank you very much. Thank you. Donc avec Tadej qui nous voit cela, il est capable, David Gaudu, d'aller un jour gagner une classique. Donc il y a moyen de le faire. Le Tour de France est important, mais il y a de belles courses à gagner autour de ça. Voilà, ce podium, on n'oubliera pas d'y associer Valverde, quatrième.